Je m'appelle Julien Couléon. Je suis chef du restaurant L'Annexe. Ma passion pour la cuisine me vient de mon grand-père qui était agriculteur. Pour moi, rien ne vaut une cuisine du terroir. Franche et généreuse, c'est pour cela que j'ai accepté le défi de la brasserie Batin, cuisiner avec de la bière. Au programme, dos de cabillaud à la Batin blanche. Mon cabillaud sera accompagné d'oignons en pickles, de légumes et d'une sauce au beurre blanc. Voilà ce dont j'ai besoin. Pour noter les ingrédients, faites une pause ou rendez-vous sur le site batin.lu. Première étape, les oignons pickles. Je fais chauffer le sucre, l'eau et le vinaigre dans une casserole. Une fois le sucre dissous, je verse le tout sur les oignons rouges. Je réserve au frigo pendant quelques heures. Deuxième étape, mon tuyau de légumes. Je les dispose délicatement dans un plat et je n'oublie pas de les assaisonner. Je rajoute du thym, du romarin et je laisse mariner pendant 30 minutes. J'enfourne à 160 degrés pendant 25 minutes, puis à 220 degrés pendant 2 minutes. Dernière étape, la sauce au beurre blanc. Je fais suer mes échalotes et je déglace avec 20 cl de Batin blanche. Une fois réduit et légèrement refroidi, je rajoute la crème, le beurre et je monte le tout au fouet. Enfin, la star du jour, le cabillaud. Je le fais revenir dans une poêle pour qu'il conserve toute sa saveur. Je n'oublie pas de l'arroser avec de l'huile d'olive. Place maintenant au dressage. Je dispose mes légumes en arc de cercle sur une jolie assiette. Je verse délicatement une cuillère à soupe de ma sauce au beurre blanc et j'y dépose mon dos de cabillaud. Pour la touche finale, je hache mes oignons en pickles et je les saupoudre sur mon plat. Une recette fraîche et gourmande à déguster avec une Batin blanche. Et good on à toutes et à tous, et à bientôt pour une nouvelle recette.